Bon Stéphane, on finit sur une petite déception quand même autour de Pologne. Ça avait bien été sur l'étape de montagne, un peu moins sur le chrono. Oui, un peu moins sur le chrono. Il est clair qu'on avait des ambitions un peu plus hautes, mais en même temps, Christophe a eu un début de saison difficile. Il a bien marché la dernière semaine du Tour. Il était même avec Romain Bardet le plus fort de l'équipe. Il est clair que sur ce Tour de Pologne, il a eu une équipe dévouée à 100% autour de lui. Il a été vraiment très très bien sur les deux étapes clés. Malheureusement, aujourd'hui, lui, il est un peu déçu. Moi, bon, voilà, on espère toujours mieux. Il est clair que j'ai plus en tête le premier jour, les 8 secondes de perdu de la cassure. J'ai plus des regrets à ce niveau-là que sur le chrono. Moi, je trouve qu'il a fait un bon chrono. Il est clair qu'il fait très chaud aujourd'hui. Bon, les conditions sont difficiles pour tout le monde, mais on sort de deux étapes compliquées. Lui, il ne faut pas oublier qu'il sort du Tour de France aussi. Hein, donc, il commence à avoir la fatigue qui arrive peut-être. Justement, lui était très déçu. Mais en même temps, quand on voit les noms qu'il y a devant lui, bon, le chrono, c'est pas si surprenant. Hein, non, mais l'année dernière, il avait fait un meilleur chrono hein, sur le même parcours. Il était même meilleur. Il y a deux ans, c'était pas tout à fait le même chrono. Il est clair que là aussi, il avait été un peu fatigué lors de ce chrono. Je pense que tout simplement, à bout de 10 jours de course, après 10 jours de le Tour de France, une fois fini, ça fait 10 jours qu'il est fini et qu'on commence à avoir la fatigue, tout simplement. Justement, par rapport à l'an passé, je crois que c'était 50 secondes ou une minute de plus. C'est la chaleur surtout qui a joué, peut-être, l'état de fraîcheur. Non, il y a le vent aussi. Hein. C'est clair que les conditions sont totalement différentes. On ne peut jamais comparer les temps. Clair que moi, je les avais en tête, mais je ne m'en suis pas servi parce que moi, j'avais noté qu'il n'y avait pas de vent l'année dernière, alors que cette année, il y avait beaucoup de vent. Donc, c'est peut-être ça aussi qui a joué. Il est clair aussi qu'il était un peu moins fort que l'année dernière.